Donc là, on est sur un atelier tout public avec 5 adultes, 5 enfants. C'est ce qui est chouette aussi au niveau de la médiation artistique, c'est d'avoir un public hétérogène qui permet à ce que chacun puisse bénéficier des expériences des autres. Et aujourd'hui, dans ce cadre, j'ai proposé un atelier sur le travail du monotype. Le but étant principalement d'expérimenter, essayer, s'approprier la technique, jouer avec les effets de hasard sur la peinture, les textures, les matières. Ouais, qu'il y a du relief. C'est super, hein? Donc il y a des choses que tu avais prévues et d'autres choses que tu n'avais pas prévues. Ouais, et par voilà. Exemple, là, en fait, il y avait un tuyau, le truc là. On dirait qu'en fait, il y a quelque chose qui l'enferme. Ça. Moi, ça me pensait à une toile d'araignée. Moi, au début, c'était ce que je voulais faire. L'idée des ateliers que j'aime bien développer aussi, c'est surtout pas de modélisation. Il peut y avoir des ateliers où on a envie de faire du dessin d'observation, hein, on en a fait déjà. Mais en dehors du dessin d'observation aussi, c'est bien voilà, pour moi de laisser le champ libre à la créativité. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a du public qui est habitué maintenant, qui fait des ateliers depuis plusieurs années avec moi, et d'autres personnes qui viennent s'ajouter. Et donc il y a un public toujours prêt à découvrir et à en même temps se perfectionner, on va dire. Hein.